Tu crois qu'il a pu entendre? Je crois pas, non. Tu as vu qui c'était? Non, mais je peux le savoir si tu crois que ça en vaut la peine. Il est déjà tard. On ferait mieux de rentrer. Ouais. Après vous avoir téléphoné, j'y suis retourné pour essayer d'en savoir davantage. C'est un fameux tuyau que je vous repasse là. Et vous en demandez? Oh, ça vaut bien 50 livres. Je verrai si ça les vaut. Écoutez, je vais vous rendre un service. Rien ne me forçait à téléphoner. Non, une minute, monsieur Mannering. Attendez une minute. Vous avez dans la collection Linstead des pièces qui vous appartiennent. Soyez plus précis. Il y a un coup de montée. Ils vont la cambrioler, j'ai entendu. Qui ça, ils? Ça alors, je n'en sais rien du tout. Mais le tuyau est bon. À ce prix-là, c'est une affaire. Si le tuyau est bon, vous aurez votre argent. Pour quand est-ce prévu? Cette nuit. Le coup est pour cette nuit. Vous êtes habitué à ces longues attentes. J'ai jamais réussi à m'y faire. Rien d'anormal? Non. Il fera jour bientôt. Ils ne viendront plus maintenant.
Je crains que votre informateur ne vous ait fait marcher. J'en doute. Cranwell n'avait aucune raison de me raconter des histoires. Possible que vous aussi ait été prévenu. Oui. J'ai l'impression que nous pouvons repartir. Si vous rappelez vos hommes commissaires, je vais rentrer au poste tout de suite. D'accord, Weston. Au revoir. Au revoir, John. Au revoir, mon vieux. Weston, si nous restions encore une demi-heure à présent, au point où nous en sommes... Je crois que nous le ferons qu'il perde notre temps. Votre informateur a cru pouvoir gagner de l'argent sans donner de mal. Ça arrive assez souvent. Chef, on ne quitte pas. Il a un fameux culot de faire le coup juste après les flics. Oui, inspecteur, Thompson est déjà parti. Oui, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça, M. Mannering? C'est un très ancien talisman datant de 800 ans avant Jésus-Christ, venant de la région des Argros, en Iran. C'est une babiole que je pourrais pas me payer avec mon salaire. La voie est libre. Je fonce maintenant. Bien compris. On fait ce que t'as dit. Bon, allons. Tu vous déposes quelque part? Non, merci, je vais rentrer à pied. Une minute. Téléphone. Plus. Oh. Ah. Ah.
vous avez reconnu le gars? C'est Greg. Wilde. Je vais appeler une ambulance. Non. C'est inutile. Alors quoi, ça n'a pas marché? Ce flic, Weston, était encore là, alors je l'ai descendu. Qu'est-ce que tu dis? Et ce n'est pas le pire. Manon y était avec lui. Et il m'a vu. Il t'a vu? Mais alors il peut témoigner contre toi à l'audience? Bien entendu. À condition qu'il vive jusque-là. Et Jerry, donne-moi une cigarette. T'es fauché à ce point-là, tu peux pas t'en acheter? J'irai tout à l'heure. Là, tout de suite, j'aime mieux pas m'éloigner. J'attends un coup de téléphone. Tu m'as pas vu, t'entends? Tu sais pas où je suis. Salut, Jerry. Je cherche Marty Cranwell. Il n'est pas dans le coin? Je te parle, dis donc, Jerry. Et quand je parle aux gens, j'aime bien qu'on m'écoute. Je répète ma question. Je cherche Marty Cranwell. Qu'est-ce que tu lui veux? Il a eu la langue trop longue. Avec des gens dangereux pour nous. Greg est embêté. Je n'ai pas vu Marty. Il n'est pas venu ici de la journée. Je pense que ça te fera plaisir de jouer aux courses. Si tu vois Marty, je t'en donnerai beaucoup d'autres du même modèle. J'ai l'impression que tu es dans un sale pétrin. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça n'était pas ma faute. J'avais entendu des bruits comme quoi on allait voler la collection Lindstedt. Et tu l'as dit à qui? À Mannering, le baron. Certaines pièces de la collection lui appartiennent. Je lui offre le tuyau moyennant la somme de 50 livres. Si je devais trahir Greg Wilder, je crois que je demanderais plus cher que ça. Oui, mais tu sais, je l'ignorais. J'ignorais que le coup était fait par Greg. Tiens. Vas-y, téléphone. Ensuite, trouve-toi une planque et cache-toi bien. Mannering Antiquité. Le baron. Il n'est pas rentré? Non, pas encore. C'est vous, monsieur Cranwell? Oui, je sais que c'est urgent. Dès qu'il sera là, je lui dirai de vous appeler. Oui, d'accord. Je n'oublierai pas. Au revoir. Meurtre à l'exposition. Un suspect arrêté. Où l'avez-vous trouvé? À l'aéroport. Il allait s'envoler pour Barcelone. Vous avez l'arme? Non, on a fouillé son appartement sans résultat. Écoutez, Mannering, il s'agit peut-être d'une formalité, mais la loi l'exige. Passez devant ces hommes, mais si vous reconnaissez celui de la nuit du meurtre,
Mettez-lui la main sur l'épaule. Voilà votre arme. Vous faites une grosse erreur, Manry. Une très grosse erreur. Le jury ne sera pas de cet avis. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. L'affaire n'ira pas jusque-là. Maintenant ? Non, on règle l'autre affaire d'abord, tu veux ? Non, Cordelia, ça n'est pas du tout ton genre. John, vous voilà. Bonjour, Cordelia. Vous voulez nous chanter l'air des bijoux, très cher enfant. Quoi de neuf ? Non, dans un magasin d'antiquités. L'après-midi a été fort calme. Quelques coups de téléphone, dont un m'a semblé urgent, venant d'un nommé Cranley, Crowell. Cranwell ? Ah oui, c'est ça. Il a laissé son numéro ? Il est sur votre bureau. Il avait l'air ennuyé et terriblement nerveux. Qui est-ce ? C'est l'individu qui m'a renseigné sur le coup de la nuit dernière. Allô ? Monsieur Manring, j'ai essayé de vous avoir toute la matinée. Écoutez, ils veulent ma peau. Il faut que je file. J'ai très besoin d'argent. Où êtes-vous ? Au billard de Style Street. Je vous rejoins dans 10 minutes. C'est toi, Jerry. Oh, mais qu'est-ce que vous me voulez ? Qu'on discute. On fait une petite partie ? Il faut que je m'en aille, je suis pressé. Tu as tout ton temps. La vie d'un gars qui aura su jouer au billard aura été intéressante. Tu as été idiot d'aller dire ça au baron. Écoute, je l'ignorais. Je vais t'expliquer. Ce sera bien difficile. Greg a été arrêté. Il est un peu plus inquiet. Il craint qu'on te fasse témoigner contre lui au procès. Je ne dirai rien. Je vais quitter le pays. C'est à Manring qu'il faut en prendre. Non. Non. Après, on s'occupera de lui. Je ne dirai rien, je te le promets, je te le jure. C'est vrai. Tu ne pourras rien dire. Inutile de compter sur les empreintes, c'est du travail de professionnel. Greg Wilder ne perd pas de temps quand il s'agit de liquider les gêneurs. Oui, mais allez donc le prouver. Enfin, je vais suivre la filière habituelle et ramasser les gars qui travaillent pour lui. Vous n'en tirerez rien. On peut toujours essayer. C'est curieux, n'est-ce pas ? Je me demande comment Greg Wilder peut inspirer de la loyauté. De la crainte, plutôt. Avec lui, quiconque n'est pas loyal est descendu. Ce genre de meurtre me rend malade chaque fois qu'il se produit. C'est si facile. Avec de l'argent, on trouve toujours un gars prêt à appuyer sur la détente. La nuit dernière, Wilder a fait lui-même le travail. Et cette fois vraiment, je crois que son compte est bon. Oui, mais vous êtes notre seul témoin.
Si jamais un de ses amis s'en prenait à vous, vous savez, je serais beaucoup plus tranquille si vous décidiez de faire un petit voyage jusqu'au jugement. Bon, ce sera en pure perte, allez, de toute façon. S'ils veulent m'avoir, ils me trouveront quoi que je fasse et où que j'aille. Oui, je crois que c'est vrai. Mais ne vous tourmentez pas, je tiens la vie et je sais me défendre. Suivez Mannering. Je veux qu'on le file 24 heures sur 24. Ne perdez pas de vue. C'est le seul témoin que nous ayons. Mon très cher monsieur Wilder, que je suis donc heureux de vous revoir. Bonjour, maître. Depuis le temps que je suis votre avocat, je crois jamais n'avoir eu encore à faire face à des circonstances aussi arbitraires et aussi injustes. Il est évident qu'il s'agit là de poursuites sans fondement aucun et que la police a de toutes pièces fabriqué une accusation. Nous allons vous sortir de là en un rien de temps. Voilà un enthousiasme que j'ai grand plaisir à constater chez mon avocat. Mais ce n'est pas de l'enthousiasme, mon très cher ami. C'est de l'indignation devant une injustice aussi flagrante. Bon, si vous voulez. Qu'est-ce que vous comptez faire? Nous avons à faire face à deux sortes de problèmes. Le premier a fort heureusement déjà été résolu de façon satisfaisante. Et le second? Il soit résolu définitivement, et pas plus tard que demain soir. John, il y a deux hommes qui vous attendent dehors. Ils regardent le magasin. Ce sont des policiers. Le commissaire a peur qu'il m'arrive quelque chose. Je vais répondre. Monsieur Mannering. Si vous voulez savoir qui a tué Cranwell, venez à la salle de réunion des travailleurs de Camden Hall ce soir. Qui était-ce? Probablement le gars qui a tué Cranwell. Ah oui, et qu'est-ce qu'il voulait? Me voir. Et vous allez y aller? Et comment? Je vous accompagne. Non, Cordelia, vous allez rester ici. Ça pourrait être dangereux. Mais c'est pour ça que je tiens absolument à y aller seul. Vous savez très bien que c'est sûrement un piège, John. Oui, mais le fait de le savoir est mon meilleur atout. Votre meilleur atout? Oh, c'est à désespérer de vouloir veiller sur vous. Sa voiture est garée par derrière. Hé, attendez-moi! Il nous a semés. Je fais ce que je peux, c'est pas facile. Vous inquiétez pas, on le rattrapera un peu plus loin. S'il vous plaît.
Mes chers amis, quelques minutes d'entracte au cours desquelles le thé va être servi. C'est la première fois que vous venez, sans doute. Oui, madame. Le thé est servi. Non, merci, madame. Ah, un monsieur va demander de vous donner ce programme. Et quel monsieur? Celui qui était là. Il est parti. Ah, ça ne fait rien, merci quand même. Dans l'arrière-salle.